ça. Écoutez, la présence de CPNT ici est tout à fait naturelle puisque le combat contre les lâchers d'ours est un combat permanent de CPNT depuis de très nombreuses années. Donc cette manifestation qui est une manifestation des montagnards qui veulent expliquer à Paris qu'on veut maîtriser notre développement et l'avenir de la montagne est parfaitement naturelle. Donc nous participons à cela, nous sommes solidaires des revendications portées dans cette manifestation. Au-delà de la politique, de toute façon, c'est simplement un message, plutôt que des ours, on veut des emplois, on veut du développement ici dans nos montagnes. On n'a pas besoin de s'y lâcher. Si les Parisiens les veulent, ils n'ont qu'à les lâcher au Bois de Boulogne. Jean-Bernard, pour la sonore, vite. Se profile là dans quelques jours l'annonce certainement d'une réintroduction. Et aujourd'hui, moi je pense qu'elle n'a vraiment plus aucun sens. Des ours, il y en a en Slovénie, ils y sont bien parce qu'il faut qu'ils y restent. Et ici en Béarn, il y avait la souche BNN. On ne peut que constater un immense échec. Tous ceux qui en ont parlé, ça a été pour l'utiliser, mais certainement pas pour la servir. Et aujourd'hui, on ne peut faire que ce constat. Et alors aujourd'hui, en importer, alors que le pastoralisme n'est plus adapté à... Il y a 30 ans, il y avait un berger pour 200 brebis. Aujourd'hui, il y a un berger pour 500, pour 1000. Il n'y a plus la main d'œuvre. Et alors, si, réintroduire des ours, ça devrait se faire en réintroduisant le pastoralisme qui avait pu cohabiter à certains moments. Mais aujourd'hui, c'est complètement, absolument ridicule. Il ne faut pas... Ça n'a vraiment plus aucun sens. Implanter des ours ailleurs ici. Ce qu'il faut absolument, c'est maintenir du pastoralisme, maintenir des bergers, promouvoir les produits de qualité, permettre à des gens de vivre, mais aujourd'hui c'est un non-sens. Et dans la biodiversité, puisque c'est un fameux mot à la mode, qu'on nous dise ce qu'il apporte dans le système. Franchement, non, moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le pastoralisme, le gardiennage, qui pourrait cohabiter avec l'ours n'existe plus. Et là, c'est un non-sens de faire croire qu'il y a les bons bergers, les mauvais bergers. Non, c'est plus possible. La société ne veut pas de paysans nombreux, a fait le choix de diminuer. Je pense que nous sommes 700 000 paysans encore. Les prévisions sont à 250 000 dans 10 ans. Tous les moyens sont bons pour supprimer des paysans. Notre objectif, c'est de maintenir un tissu rural vivant avec des agriculteurs, avec des familles, avec des enfants dans les écoles. Et sincèrement, un ours dans la montagne, ça n'amène même pas des touristes. Ils ne le voient jamais. Il vaut mieux qu'ils aillent faire 2 heures d'avion pour aller les voir là où ils sont, là-bas. Mais ici, ça n'a vraiment plus de sens. Et alors, on trompe la société à lui faire croire que c'est important, que c'est indispensable, mais c'est vraiment un non-sens. C'est tout à fait un faux discours écologique. Qu'est-ce qu'il a d'écologique d'ailleurs ?
urbaine. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ma présence à cette manifestation, c'est suite aux annonces de la ministre de l'écologie Chantal Jouanneau, qui effectivement, au lendemain des régionales, a prévu d'avoir des annonces concernant la réintroduction des loups. Donc ici, nous nous sommes associés, nous, élus de l'Ariège, je suis élue socialiste de l'Ariège députée, je me suis associée à cette manifestation parce qu'aujourd'hui, nos territoires ont plus besoin de soutien de l'État avec des aides actives à l'aménagement du territoire, au maintien des services publics, qu'à dépenser des deniers publics à la réintroduction de l'ours, qui en l'espèce, l'ours slovène n'est pas en voie de disparition, donc n'est pas menacé. Alors effectivement, il s'avère que cette journée se passe la veille des élections régionales, mais si elle se passe la veille des élections régionales, c'est qu'on a eu quand même une annonce de la ministre qui a fait état d'annonce après les régionales. Alors il est bien évident que, quelque part, notre présence parmi les acteurs de la montagne, qu'ils soient chasseurs, agriculteurs ou aménageurs du territoire, elle se doit d'être ici. Il s'avère que nous sommes la veille des régionales, mais ça serait une semaine ou 15 jours ou 3 mois après les régionales. On serait toujours là parce qu'on a toujours été dans ces combats, comme on l'a été à Foix il y a quelques mois pour dénoncer ce qui avait été fait par le préfet de l'Ariège concernant les entraves à la chasse par une supposée présence de l'ours. Donc nous, notre présence ici, elle est calquée sur un calendrier électoral, mais c'est pas nous qui l'en avons voulu, mais c'est le gouvernement, l'UMP et la ministre de l'écologie. Alors notre association s'appelle Vivre sans le loup, elle a été créée il y a une année, suite au tir d'un loup par un habitant de notre vallée. Et nous sommes ici dans les Pyrénées pour apporter du soutien de tout l'Arcalpa. Donc on a roulé, on a fait un peu plus de 800 km pour rejoindre nos amis pyrénéens, parce que la problématique est la même, que ce soit sur le loup ou l'ours, et chez nous c'est le loup. Donc on a pensé que c'était important d'être présent aujourd'hui, même si on n'est pas nombreux. On a 35 000 signatures derrière nous de pétition. Donc tous ces gens-là, c'est comme s'ils étaient là aujourd'hui. Tous les sénateurs, tous les présidents de fédé de chasse, tous les présidents de chaîne d'agriculture de la chaîne pyrénéenne. Enfin, je vous demanderai également, à vous qui êtes là, citoyens des Pyrénées, chasseurs, pêcheurs, randonneurs et autres paysans, cette enquête publique.